Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve avec un nouveau nail art. Et comme vous l'avez peut-être vu sur mon Instagram, nous avons passé le 10 du mois et donc c'est le moment du 10 nail challenge. Ce mois-ci, c'est la 5e édition. Alors, je n'ai pas participé le mois dernier car je n'ai pas vraiment eu beaucoup le temps. Mais ce mois-ci, je me devais de participer car c'est l'un de mes Disney préférés. Alors, j'espère vraiment avoir été à la hauteur. Mais ce que j'espère surtout, c'est que vous allez réussir à deviner quel Disney se cache derrière ce nail art. J'ai essayé de vous donner des petits indices au fur et à mesure de la vidéo car c'est vrai que c'est pas vraiment évident quand on regarde le nail art tout seul. Et je voulais également profiter de cette vidéo pour vous remercier infiniment de vos reproductions nail art. Surtout n'oubliez pas de me taguer sur vos photos pour que je puisse aller les voir. Et ça fait vraiment bizarre de voir les nail art que j'ai fait en vidéo reproduits sur vos ongles, ça me fait énormément plaisir. Et donc je voulais vraiment vous remercier pour ça et également de tous vos gentils commentaires que vous me laissez sur YouTube et Instagram. J'adore toujours autant les lire et vous répondre, je vous remercie infiniment d'être présente. Bon, j'arrête de blablater. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et on se retrouve dans les commentaires pour savoir qui a deviné de quel Disney il s'agit. Alors vous en avez peut-être assez d'entendre cette phrase, mais il faut absolument poser une couche de base avant de commencer votre nail art pour protéger vos ongles. Pour mon auriculaire, j'ai appliqué deux couches d'un vernis vert et dans la vidéo c'est assez rapide, mais attendez bien que les couches sèchent, sinon votre manucure va prendre des heures à sécher et risque de s'abîmer. Deuxième étape, avec un vernis blanc et un pinceau fin, j'ai formé deux demi-ovales de chaque côté de mon ongle pour former les yeux. Et ensuite, avec un vert foncé, j'ai fait les contours bien délicatement et avec la pointe de mon pinceau pour faire le trait le plus fin possible. Ensuite, toujours avec mon pinceau fin, mais cette fois-ci avec du vernis noir, j'ai dessiné ses deux petites narines et sa longue bouche en vague. Et j'ai terminé avec deux pupilles noires bien au milieu de son œil avec un gros dotting tool. Et j'ai rajouté quelques petits points verts clairs sur son front pour donner un peu plus de texture. Deuxième dessin, on passe à l'annulaire et après une base de violet clair en deux couches toujours et un petit nettoyage, j'ai fait un gros point jaune au milieu que j'ai agrandi à l'aide de mon pinceau. Et puis j'ai fait des rayons, alors j'ai commencé par faire de grands rayons en laissant un espace entre chaque pour pouvoir en faire des petits ensuite comme sur le dessin juste ici. Alors il n'y a pas de forme particulière, mais si vous avez deviné de quel Disney il s'agit, pensez bien à faire vos bouts de rayons de soleil arrondis. Vu qu'il me restait un petit peu de place sur mon annulaire, j'ai décidé de faire des petits points dans les espaces vides avec un dotting tool aiguille et du vernis jaune. Troisième et quatrième en même temps car on commence avec la même base de dessin. J'ai commencé par appliquer un marron très clair sur mon majeur et mon annulaire, toujours en deux couches, puis j'ai dessiné des briques très aléatoirement sur mes deux ongles. Alors pour ça, j'ai utilisé un vernis noir et mon pinceau fin, et ne vous inquiétez pas, plus c'est aléatoire, plus c'est réaliste, ne vous embêtez pas à faire quelque chose de parfait. Pour le premier dessin, j'ai commencé avec du jaune en faisant une tresse et je vous avoue qu'il me faut encore un peu beaucoup de pratique car du coup c'était ma première tresse et je vous avoue que je ne me suis pas du tout entraînée avant cette vidéo. Et du coup j'ai décidé de me baser sur un trait jaune que j'ai fait au début et j'ai ensuite fait des arrondis de chaque côté pour pouvoir du coup essayer de former les brins de la tresse. En attendant que ça sèche, j'ai fait l'autre doigt et cette fois-ci c'est beaucoup plus simple, j'ai fait des branches qui poussent le long du mur de briques et j'ai ensuite ajouté des petites touches de vert foncé pour mettre un peu de texture à tout ça et j'ai terminé avec des fleurs roses et orangées que j'ai simplement fait au dotting tool. On retourne à la tresse et j'ai pris cette fois-ci un vernis marron pour former les brins de la tresse. Alors pour ça, je ne pourrais vous dire quelle technique adopter car je vous avoue que j'ai fait ça un peu au hasard. Et d'ailleurs, on le voit au résultat, mais le but est simplement de rendre la tresse plus réaliste. N'oubliez pas de faire le petit nœud à la fin de la tresse et c'est enfin terminé. Pour rendre les briques plus réalistes, j'ai mélangé du blanc et du noir pour faire des petites traces d'ombre et d'usure sur les briques. Mais n'en faites pas trop et pas toujours au même endroit pour que ça reste assez aléatoire. Dernier dessin, j'ai commencé avec une base bleu clair, puis j'ai fait un dégradé avec du bleu foncé pour faire une sorte de coucher de soleil. Mais surtout, inversez bien les couleurs, ne faites surtout pas ce que je viens de faire dans la vidéo. Il faut vraiment que le bleu foncé soit en haut de votre ongle, car quand vous voyez un coucher de soleil, c'est vrai que le ciel est clair au niveau de l'horizon et pas du tout comme je suis en train de faire dans cette vidéo.
Alors surtout n'oubliez pas d'inverser la position des couleurs lorsque vous faites votre dégradé. Ensuite, je n'avais pas un jaune assez clair, donc j'ai mélangé mon jaune le plus clair avec du blanc pour faire de gros points un peu partout. Alors là du coup, je suis en train de dessiner des lanternes qui montent dans le ciel, alors faites-en plus au niveau du bas de votre ongle, car ça représente l'une des scènes du film où tous les personnages lâchent la lanterne et qu'elle s'envole dans le ciel. Ensuite, avec un dotting tool aiguille et du vernis jaune plus foncé, j'ai fait un point dans chaque lanterne vers le bas pour former la flamme de la bougie. Alors comme j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas assez, j'ai simplement répété l'opération jusqu'à être satisfaite du résultat. J'ai terminé par sceller le nail art avec du top coat mat car j'ai trouvé que c'était l'effet le plus approprié, mais vous pouvez très bien terminer votre nail art avec un top coat classique pour le faire briller. Et voilà, j'espère que vous avez deviné de quel Disney il s'agit, malgré ma superbe tresse. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je nettoie chaque placard jusqu'à 7h15. Ensuite, je lis un livre et même deux ou trois. J'ajoute quelques couleurs.